Org, c'est l'organisation des utilisateurs de soleil. Et donc, je représente tous les utilisateurs en biologie de soleil. C'est une grande communauté qui représente vraiment toutes les thématiques scientifiques qu'on trouve sur les lignes de lumière. Par exemple, le Users Meeting a pour rôle justement de promouvoir en fait l'échange entre les utilisateurs et la direction de soleil, et l'échange entre les utilisateurs et les responsables de ligne ou les scientifiques de ligne de soleil. Je suis effectivement aussi utilisatrice de lignes de lumière de soleil. J'utilise principalement la ligne Proxima 1, qui est une ligne dédiée à la radiocristallographie. Dans la communauté des cristallographes des protéines, le synchrotron est un outil effectivement quasiment, enfin qu'on peut considérer comme quotidien. Il a progressivement remplacé les sources de laboratoire de rayons X et donc nous permet d'aller voir en détail la structure des protéines. On s'est aperçu assez récemment, enfin en tout cas moi, que la communauté des utilisateurs de rayonnement synchrotron en France était grande. Elle comprend pas loin de 3000 utilisateurs. Et donc en ce moment, on est en train d'essayer de créer une organisation nationale des utilisateurs de rayonnement synchrotron pour donner du poids à cette communauté et pour que cette communauté justement pèse au niveau des décisions ministérielles ou des décisions au niveau européen.